millions d'années, il y a des millions d'années, quand le diable n'était pas né, quand le diable n'était pas né, tous les hommes étaient immortels, mais l'un d'entre eux qui était plus fort, l'un d'entre eux aimant à la mort. Ce fut une révolution, jusque-là les filles étaient belles, on ne se battait pas pour elles, on ne se battait pas pour elles. Jusque-là, les hommes étaient forts, mais l'un d'entre eux qui était plus fort, l'un d'entre eux aimant à la mort. Et l'on vit les cheveux blanchis, et l'on vit les dos se courber, et l'on vit la vie s'envoler, et l'on vit la vie s'envoler, des cœurs, des âmes et des corps, car l'un d'entre eux qui était plus fort, l'un d'entre eux aimant à la mort. Alors lui, petit malin, devint le dieu, le souverain, il régnait comme un vrai tyran. Il régnait comme un vrai tyran. Sur la pluie et sur le beau temps, sur la pluie et sur le vent du nord, il avait inventé la mort. Il avait inventé la mort. Il avait inventé l'enfer, les voleurs, les assassins, la pneumonie et le cancer. La guerre et les conquistadors, il était vraiment le plus fort, il avait inventé la mort. Il restait quand même l'amour, pour les hommes c'était l'opium, il s'aimait tant qu'il le pouvait, il s'aimait tant qu'il le pouvait, puis un jour il se détestait, et l'amour devenait la mort, et l'amour devenait la mort. Il mourait de n'importe quoi, de misère, d'un faux beau doigt, en marchant, volant, tout nageant, en marchant, volant, tout nageant, dans un lit, dans un guet-apens, ils étaient condamnés à mort. Ils étaient condamnés à mort. Pour se concilier les faveurs de l'impitoyable Seigneur, on brûla quelques inventeurs, des poètes et que sais-je encore, mais la mort demeurait la mort. De l'encens, des cierges et des fleurs, pour faire plaisir à leur Seigneur. Des credos, des confiteors, des patères et que sais-je encore, mais la mort demeurait la mort. Alors les hommes se sont dit, que peut-on attendre de lui? Il faudra travailler longtemps, peut-être pendant 100 000 ans, peut-être plus longtemps encore. Alors, les hommes ont pris un cœur qui ne battait plus. Et puis, lui ont redonné la vie que l'on croyait perdue. Les hommes ont visité les planètes une à une. D'abord, la vieille Lune et Mars et Jupiter et Neptune. Les hommes se sont envolés tout droit vers les étoiles. Et puis, sont revenus tout bras comptés dans leur cathédrale. Les hommes, après avoir longtemps, longtemps cherché, enfin, ont découvert le secret de l'immortalité. Fous de joie d'avoir découvert le grand secret de l'univers, ils ont mis leurs plus beaux habits, ils ont mis leurs plus beaux habits, et sont partis vers celui qui, ils sont partis vers celui qui, leur avait inventé la mort, leur avait inventé la mort. Ils avaient vraiment bonne mine, là-haut dans leur super machine, mais en arrivant au palais, ils avaient les mains qui tremblaient, et le cœur qui battait très fort, et le cœur qui battait très fort. Une grande porte s'ouvrit, et puis donc, à l'infini, ils suivirent de longs couloirs,
un huissier en costume noir leur dit « Messieurs, vous venez tard, vous venez tard. Depuis ce matin à l'aurore, depuis ce matin à l'aurore, Dieu est mort !»